Et salut tout le monde, c'est RetroTeam13. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans un épisode de Tutor Redstone comment faire une ferme automatique à melon et à pastèque. Donc là, vous voyez, la ferme est terminée et ça rapporte déjà du melon, enfin de la citrouille là. Voilà. Donc déjà, il vous faudra des rails de propulsion, des observateurs, de la poudre de redstone, des blocs, des pistons, des wagonnets en entonnoir et des blocs de redstone. Ouais, accessoirement un coffre et des dalles. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est là, sur les plantations, du coup, vous avez votre petite ferme, sur les plantations, vous allez mettre des observeurs, comme ça. Voilà. Comme ça, tout le long. Comme ceci. Après, ici, comme ça, vous allez mettre une rangée de vos blocs, des blocs de votre choix, et des pistons qui pointent vers, vers ici. Donc là déjà, ça, le système est presque terminé, juste mettez de la poudre de redstone sur les deux rangées ici. Donc comme ça, bah, le système est terminé en fait. C'est là, je casse ça, voilà, ça revient, je vais juste le remettre, voilà. Maintenant, on va faire le système en dessous qui va tout récupérer. Donc déjà, on va fermer. Bon, donc vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Faut juste pas que les items ne partent comme ça et atterrissent ici. Donc, on va creuser comme ça. Après, dessous là, on va mettre du coup deux rangées de rails, si comme ça, voilà, et vous allez mettre que des rails de propulsion comme ça, voilà. On va prendre des petits blocs de redstone et alimenter ça. Donc voilà. Et après, on va du coup refermer là avec des dalles, car ici seront nos entonnoirs. Donc on prend des petits entonnoirs, on casse comme ceci, donc vous voyez, ça pointe vers là. Maintenant là, comme ceci, on va mettre du coup notre petit coffre ici. Voilà, on va prendre nos dalles et les mettre au-dessus. Donc là déjà, ça pourrait marcher, mais non. Ici aussi, il faut mettre comme ça des dalles. Donc on peut refermer complètement ici. Et là, prends mon wagonnet à entonnoir. Et vu que Minecraft 1.17 là, il veut pas. Alors, oubliez pas. Voilà. Il veut pas que un seul entonnoir ça aille, ça fasse tout ça. Il faut en mettre maintenant deux, parce que là ça marche pas. Donc ici, 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 voilà. Et là, votre ferme est terminée. Donc là, on peut regarder ici, ici par exemple, je prends des vitres et de la lumière. Je mets des vitres
Et du coup, comme c'est fermé, de la lumière derrière. Ici, vous pouvez mettre des torches, mais si vous mettez des torches, vous devrez faire tout contourner comme ceci. Donc moi là, pour que ce soit plus esthétique, je vais juste mettre des lanternes aquatiques. Donc là maintenant, si on met la Game Room Random Tick Speed qui accélère tout ce qui se passe dans votre monde à, je sais pas, 100, et qu'on attend un peu, normalement, ça va pousser et tout va arriver dans ce coffre. On va même un peu l'augmenter. Donc vous voyez, on obtient des tranches de pastèque. Vous voyez là, il y a les melons qui arrivent et direct ça les casse et ça les récupère. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye.